instant. Permettez que je jette un rapide coup d'œil. Je vous promets d'être bref. Bonté divine, en voilà une sacrée musculature. Capable de toute une variété d'actes de violence, je présume. Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est sûrement l'écureuil qui prend soin de l'arbre-monde. Cet appétissant arôme serait-ce... Pardonnez l'intrusion. Ah oui, de la résine d'ambre, petit goût de noisette et notes d'encre de sèche. Non. Monsieur n'aime pas les expériences gastronomiques? Attends, si tu es Ratatosque, pourquoi tu es si différent quand on t'appelle à l'aide? C'est une longue histoire. Mais tu as raison, je suis bien Ratatosque. Le Ratatosque que tu connais n'est rien qu'une de mes projections spectrales, et pas la plus amicale, malheureusement. Je la trouve si éloignée de moi que je la considère presque comme quelqu'un d'autre. Et, à ce propos... Amer, veux-tu bien te montrer et saluer nos amis? Lâche-moi, j'ai affaire! Je suppose qu'il fallait s'y attendre. Mais passons! Maintenant que j'ai lustré toute cette jolie résine, veux-tu reprendre la graine? C'est donc une graine. En effet, et une graine d'Yggdrasil, plus précisément. Mes pensionnaires nains ayant procédé à quelques menus réaménagements, vous aurez besoin de ces graines pour ouvrir de nouvelles destinations dans mon arbre. Ton arbre, hein? Oui, mon arbre. Tiens, je vais te montrer. Je comprends mieux pourquoi Maître Brock avait besoin d'une graine d'Alfheim. Vous devez avoir des affaires importantes à régler. Si vous avez besoin de retourner voir les nains, Svartalfheim reste à votre disposition. Si on ne va pas tout de suite à Alfheim, il serait plus sage que Tyr nous attend d'ici. On retourne à Svartalfheim? Il nous reste beaucoup à faire là-bas. Les tours de forage que j'ai aidé à construire crachent toujours leurs âcres fumées. Ça me va. C'est encore un de ces geysers. Mais il est énorme. On devrait peut-être y aller plus tard. Nous le voyons très bien d'ici. Non. Comment? Il est encore là. Quoi? Il y a une clé sur cette... île. Il faut que tu la trouves, mon frère. Une vie innocente est en jeu. Sur telle.
t'inquiète pas. Aide-moi. Ils sortiront jusqu'à ce que tu détruises le nid. Ymir, quand tu dis qu'une vie innocente est en jeu, est-ce qu'Odin a piégé quelqu'un ici? Non, petit. C'est moi. Le sol a l'air fragile ici, père. Essayons de monter avec l'élévateur. Ce serait plus facile de briser le sol de là-haut. Faire s'effondrer le sol d'ici? C'est la clé que nous cherchions. À présent, allons à la tour de guet sur la rive. Qu'est-ce que tu nous caches ? Je veux que tu me fasses confiance.